Un beau moment de complicité. Ce mardi 3 janvier, Tiana, candidate révélée dans la dernière saison de la Star Academy, a soufflé sa 19e bougie. À cette occasion, la jeune artiste a évidemment convié des élèves et des professeurs qu'elle a connus grâce à l'émission de TF1. Parmi les nombreux invités, le directeur du télécrochet, Michael Goldman, et le professeur de danse, Yanis Marshall, se sont fait remarquer. La raison? Les deux acolytes ont posé pour une photo diffusée par Enola Cox. Le cliché, publié dans la story Instagram de la candidate, dévoile Yanis Marshall en train de faire un bisou sur la joue du fils de Jean-Jacques Goldman qui, lui, fixe l'objectif avec un grand sourire. Pour le plus grand bonheur des fans de la Star Academy, Enola Cox a donc endossé le rôle de reporter pour immortaliser l'anniversaire de Tiana. La jeune femme originaire de Bordeaux a alors publié plusieurs clichés de cet événement organisé dans un pub. L'occasion de retrouver Léa, qui a illuminé la soirée en arborant une superbe robe transparente aux nuances de gris et noir, portée près du corps, ou encore Hassen, qui a posé pour une photo en faisant un cœur avec ses mains. Supérieur à Star Academy, que sont devenus les professeurs emblématiques? Star Academy, Michael Goldman, Yanis Marshall. Qui sont les profs qui ont été le mieux payés? Le 28 octobre dernier, le magazine Public a sorti la liste des salaires des professeurs de la Star Academy. Sans surprise, c'est Michael Goldman qui a empoché le gros lot puisque le directeur a gagné 5000 euros par semaine, soit 30000 euros pour la totalité de la saison. De son côté, Yanis Marshall était le professeur le mieux payé du château de Damary-les-Lys. Et pour cause, il était à la fois professeur de danse et chorégraphe des primes. Pour mener à bien ses missions, le principal intéressé a touché 18000 euros sur l'ensemble de la saison. Loin derrière, on retrouve Laure Ballon, Adeline Tounayouti et Lucie Bernardoni, qui ont empoché 6000 euros par tête pour les 6 semaines de programme. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, droit d'auteur Benjamin de Coincy Paandmol TF1.